Morning la travée de l'attique. On se retrouve avec une vidéo de Mass Effect. Voilà. Et pour l'instant je suis tout seul. Il y a juste Flo qui est dans le groupe d'amis mais qui part dans 20 minutes donc il ne se connecte pas à Skype. On l'entendra dans un peu plus d'une heure. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, Flo est un peu dégoûté parce qu'il a encore cours et pour seulement une heure ce matin. Voilà, alors que moi je suis déjà en vacances et que le son de Mass Effect me perce les tympans. C'est magnifique. Enfin bref. Voilà. Donc on se retrouve pour une vidéo de Mass Effect où on créera un personnage de niveau 1 qu'on suivra dans Mass Effect 2 pour aller dans Mass Effect 3. Enfin, sauf le petit souci, c'est que le perso qu'on va créer, on le réutilisera pas pour le Mass Effect 2, étant donné que Mass Effect 3, j'ai quand même envie d'y aller avec le perso que j'ai fait. Parce qu'il a vraiment une gueule que j'aime beaucoup. Parce que bon, après tout, c'est quand même le premier perso que j'ai fait, donc je m'y suis attaché. Donc, j'avais voulu passer par un éditeur sauvegarde pour changer la gueule du game, pour voir si on pouvait changer la gueule du game, mais c'est impossible de trouver pour Mass Effect 1. Il n'y a plus que pour Mass Effect 2. C'est dommage. Donc on va créer un nouveau perso avec une gueule à peu près potable. Qu'on ne réutilisera pas pour la suite. J'utiliserai bien mon premier perso, mais étant donné qu'il est déjà plus de niveau 30, ça sera un peu gâcher le plaisir. Connexion sécurisée en cours. Ah, je me souviens quand j'ai... La première fois que j'ai vu cet instant, c'était... Ah, ça m'a fait... J'ai trouvé ça génial. Ah oui, soit dit en passant, j'ai réussi... Ouais, soit dit en passant, j'ai trouvé comment faire pour mettre le boîtier d'acquisition sur la télé. Enfin, comment avoir une image sur la télé. Donc, nouvelle identité. Personnaliser homme. Bon, autant lui donner un vrai prénom, hein, ma foi. Ouais, ou alors le même nom que l'un des persos dans les sketchs de François Pérusse. Oh, j'aime pas les lumières rouges. Avertissement, données corrompues. Données corrompues, rien que ça. Ah ouais, Flo, t'aimes pas avec les morts. Hein. Je pense que Dova, depuis qu'il a sauté sur la mienne hier, il aime plus non plus. Reconstituer le profil. Confirmez votre historique pré-militaire. Alors, le stellaire, pour être donc parent dans l'armée, gamin toujours dans le milieu de l'armée, une fois 18 ans, dans l'armée aussi. Le colon, bah ouais. Vous êtes né sur Mandoor, une petite colonie située à la frontière de la travée de l'Atlantique. Alors que vous aviez 16 ans, des esclavagistes ont attaqué votre planète d'origine, massacrant votre famille et vos amis. Vous avez été sauvé par une patrouille de l'Alliance et vous avez engagé l'armée quelques années plus tard. Bon, en somme, vous commencez comme un bouseux et vous finissez soldat. Terrien, donc vous commencez comme une racaille et vous finissez soldat. Moi je prends Stellaire. Donc le rescapé, donc c'est celui qui a participé à une mission dont on va entendre parler au cours du jeu et dont toute l'équipe s'est fait massacrer, sauf lui. Enfin toute l'équipe, pas exactement, hein, puisque bon voilà. Enfin on verra bien. Ouais, il y a eu des survivants et il leur est arrivé des trucs très très chelous et très très cruels aussi. Plutôt style injection d'acide dans les veines, mais bon. Donc le héros de guerre, c'est celui qui a mené qui a réussi à rallier la population d'une colonie pour former une énorme résistance face à un groupe d'esclavagistes butariens. Pas que butariens d'ailleurs, je crois qu'il y avait tous les pirates, mais bon. Qui étaient très nombreux, voilà. Donc l'héroïsme, courage, blablabla. Donc oui, les butariens, je crois qu'on les voit dans Mass Effect 1 seulement dans un DLC qui est Turbulence à 900 000 pieds, qui est gratuit pour les versions PC, payant pour les versions Xbox. Et sinon l'impitoyable, c'est vous êtes froid, calculateur, brutal, et vous tue. Et tant que la mission est réussie, vous vous foutez du reste. Donc on va prendre le héros de guerre, parce que quand même c'est ce que j'avais pris la première fois. Confirmez votre spécialisation militaire.
Donc après, au niveau... Après, on a six classes. On a le soldat. Donc, monsieur, j'utilise que des armes et je pète la gueule à tout le monde. L'ingénieur, lui, c'est le geek de service. C'est le pirate informatique. Voilà, donc il y a aussi les caractéristiques, armure médium, armure lourde, tout ça. Le soldat peut servir de tout. L'ingénieur, je crois que c'est seulement les flingues et les pompes. Ou alors seulement les flingues, je sais plus. Et c'est que l'armure légère et le maniement du pistolet. L'adepte, c'est un peu le chevalier Jedi de Mass Effect. Hein, il vous soulève, il vous balance dans tous les sens, il se crée un bouclier de protection, la totale en fait. Bon, il n'y a pas encore de pouvoir de régénération, mais bon. Donc, pistolet plus armure légère. Le franc-tireur, c'est le mix entre le soldat et le geek. Enfin, et l'ingénieur. Donc en gros, c'est plutôt sniper et armure médium. Et ainsi que les pistolets. La sentinelle... C'est le geek et le Jedi. Armure légère et aucune formation avancée en armement. Ah, je pensais qu'il pouvait au moins recevoir les flingues. Hein. Et le porte-étendard, où là c'est le soldat et le Jedi en même temps. Donc c'est fusil à pompe et pistolet. Plus armure médium. Bon, personnellement, je joue toujours soldat. Parce que moi je trouve que... Confirmez votre identification faciale. Ouais, le Shepard de base. On va modifier apparence. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah! Et là ça se rapproche de ce que je veux. Ah mais attends, je crois que c'est à partir de celui-là que j'avais fait mon perso. Sauf que le mien il avait quand même une tête plus sympathique. Bon. Je vous avoue que d'habitude les gars avec des crânes rasés c'est pas trop mon truc, mais je sais pas, Mass Effect je trouvais que ça allait bien. Bah, surtout que tu t'en fous, les mecs ils ont tout le temps des casques sur la gueule, donc bon, ils ont toujours des casques alors bon. Bon allez, on va prendre celui-là. Reconstitution de profil terminée. Non, je peux pas supporter sa tête, désolé. Identification. Ah non, le gars je dis ouais allez, on prend, mais non non finalement non. Oui, donc je réponds aussi à Flo de temps à autre. Le timbre... Ah, voilà, c'est mieux. Wow, on dirait que le gars, il s'est pris une grenade dans la tête. Ça a fini de cicatriser tout juste. Ouais, comme ça. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose que j'aime pas chez lui. Mais hier, il va falloir se le coltiner 60 heures. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas. Bon, de toute façon, on va pas le garder. Hein. Reconstitution de profil terminé. Plus modifié aucun paramètre. Confirmé. Identification. Les combats en normal quand même, hein. Niveau supoto, le commando, parce que franchement j'ai la flemme de le faire pour les commandos, je fais que pour moi, après il se débrouille. Les sous-titres, oui. Aide à la visée, non, hein, allez, basse. Les commandos activés, sauvegarde auto-activé, ok. Je sais même pas pourquoi ça m'a mis ces paramètres là de base. Non, si c'est si par défaut ça te les met pas, ou alors si c'est par rapport à quelque chose d'autre, c'est bizarre. Et je sais pas. C'est un stellaire, non? Il a passé toute sa vie dans l'espace. Ses deux parents étaient dans l'armée. Il a ça dans le sang. Il a fait ses preuves pendant le raid en repoussant seul l'ennemi jusqu'à l'arrivée des renforts. Si Elysium existe encore, c'est uniquement grâce à lui. Son courage ne fait aucun doute. L'humanité a besoin de héros. On ne trouvera pas mieux que Shepard. Je vais prendre ma décision. Thank you.
Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition de vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Propulseur, ok. Navigation, ok. Puits thermique interne activé. Système opérationnel. Déviation, juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie. Et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le Conseil a participé au financement de ce projet. Et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Ah, ça fait du bien. Bon, maintenant que tout le monde a fini de parler, peut-être s'atteler au truc. S'atteler au jeu. Bon. Mass Effect est un jeu que j'ai absolument adoré. Mais vraiment. J'ai dû finir le jeu à peu près 10 fois. Je connais pratiquement tout le jeu par cœur. Quoique j'ai dû un petit peu oublier certains trucs depuis le temps, mais bon, on va faire avec. Alors sinon, le système de réponse est assez simple. Ça, c'est forcément une réponse positive, ça, neutre, et ça, négative. Bon. Après, il y a les options rouges ici pour faire agir le pragmatisme, et là, bleu pour la conciliation, et ici, c'est généralement en savoir plus, donc pour poser des questions, tout ça, pour connaître des trucs. Et débloquer des pages du codex, qui est absolument... qui est absolument immense, ce codex qui est très complet, qui parle de tout dans le jeu, que vous irez lire sur internet. Je compte pas vous faire voir toutes les pages, surtout que je les ai pas. Enfin, surtout, je pense pas qu'on les aura toutes dans cette partie. Parce que bon, bien que je vais faire quand même toutes les quêtes, autant de quêtes annexes que possible pour monter le plus haut niveau. Voilà. Donc, ouais, ça c'est la version officielle. Moi, c'est une version, je la sens mal. Faut aller pour changer. De toute façon, Joker, toutes les missions, vous les sentez mal. J'ai un sixième sens. Et puis on ne va pas quelque part sans raison. Ok, Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Vous avez entendu, commandant? Il n'avait pas l'air content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc, comme c'est étrange. Oui. Bon,